Bonjour tout le monde. Alors, j'ai reçu du courrier ce matin. Alors, j'en ai reçu un hier, celui de Claudine. Je suis désolée, Claudine, hier, j'ai vraiment pas eu le temps de filmer ton courrier. Je vais recommencer par celui-là. Voilà. Parce que, franchement, hier, je suis rentrée beaucoup trop tard chez moi et j'étais KO. Alors, Claudine. Mais dis donc, tu m'en as fait des choses. Tout y est. Alors, je suppose que ça, c'est la carte. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh, qu'est-ce que c'est joli sur le thème de la fête des mères. Mais écoute, oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, regardez la première page. Alors, comment je vais vous montrer ça? Voilà. Que je trouve la caméra où elle est. C'est joli comme tout. Oh là là, le fond de papier qu'elle a distressé sur les bords. Elle a mis un joli papillon, la superposition de plusieurs papillons. J'espère que tu as fait la vidéo, hein? Alors, ici, oh là là, j'ai du mal. Ici. Elle a mis un autre papier qu'elle a recourbé, qu'elle a plié dedans, un bouquet de fleurs et de plein de petites choses. Il y a des fleurs, il y a des petites graines, il y a, on dirait des herbes de jardin, ça. C'est joli, du naturel, mais je vois qu'il y a des fleurs naturelles dedans, hein. Il y a des fleurs naturelles, il y a des petites perles. Il y a des petites brindilles de perles et un petit, j'appelle ça des igouigouis, des plumes. Regardez ça, si c'est beau. Et il y en a des choses, hein. Et il y en a des choses. Avec sa petite étiquette là. Alors, bonne fête des mamans, bonne fête des mères. Il n'y a rien de mieux, bonne fête des mères, que le câlin d'une maman. Mais c'est joli comme tout ton tampon, hein. J'adore. J'adore, j'adore. Et dessous, il y a un petit napperon. Je n'avais pas vu. Il y a un napperon dessous, là. Et puis, il y en a un autre ici. Eh bien, écoute. C'est vraiment joli, joli, joli. C'est joli, joli. Je vais regarder le petit mot. Alors, ça s'ouvre comme ça. D'accord. Alors, je vous laisse la carte comme ça. Ouais, c'est très bien. Et derrière, elle a son petit tampon. Voilà, création Claudine. J'aurais dû cacher le nom. Voilà. Et puis, Fema. Mais c'est joli comme tout. Merci beaucoup, Claudine. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a une autre pochette qui est aussi sublime, une pochette cadeau qui est faite avec un papier, dans un papier 30-30. Vous avez déjà vu les tutos. Elle s'est cornée un peu, hop, on la redécorde, des cornes. La petite perle, elle s'est sauvée, mais. Ouais. Alors, là, il y a des petites feuilles avec une fleur dessus. Oh là là, je suis pas. Voilà. Des petites feuilles avec des petites fleurs dessus. J'ai mis ma caméra un peu haute. Voilà. Là, un papillon. En haut, une bordure de dentelle. Elle est jolie, ta dentelle. On dirait c'est une dentelle en plastique, mais elle est bien. Et derrière, j'ai la même chose. Alors, quand on soulève, oh là là, plein de rouages. Regarde ça, quand je tire, tout s'enlève en même temps. C'est super. Des petits rouages, je vais les laisser dessus, si c'est là que ça se voit le mieux, qui fait pendule aussi. Avec. Comme ça,
Un petit comme ça et une grosse clé au milieu. Je vais essayer de les reglisser dedans. Tu les avais bien mis. Voilà. Et de l'autre côté, hop, il y en a encore. Et de l'autre côté, il y en a encore. Encore un rouage, pareil, avec l'horloge qui doit être dans ce sens, je suppose. Le 1 étant ici. Celui-là aussi, 12, 1, voilà, elle est dans le bon sens. Et celui-là, écoute, c'est magnifique. Merci, mais je vais m'en servir de ça. J'ai des choses à faire. J'ai plein de choses à faire. Hein. Il va falloir que je m'y attelle. Hein. Que je trouve du temps. Voilà, entre les ateliers, les commandes et tout, parce que j'ai encore des commandes d'albums, donc il va falloir que je m'attelle à tout ça. Et là au milieu, ben c'est pas. Hein, c'est blindé. Comme vous dites. Alors attends, je vais tout sortir sans rien abîmer. Il y en a un qui n'a pas voulu sortir. Ah non, c'est un dessin. J'ai cru que c'est un dessin dans le papier. Alors, des jolis papillons. Et avec deux papillons. Ça, c'est des papillons de nuit. Ils sont beaux comme tout cela. Une libellule. Et un autre papillon. Est-ce que je vous les ai bien montrés? Parce que moi, je suis toujours hors champ. Il va falloir que j'installe ma caméra définitivement, mais je ne l'ai encore pas installée, elle est juste perchée sur un piquet. Ah, c'est joli ces images. Une comme ça. Une, mais je sais ce que je vais en faire. Une comme ça. Oh là là, qu'elles sont belles. Une comme ça, j'essaie de pas trop bouger. Celle-là, elle est mignonne, cette petite fille dans son fauteuil. Celle-là. Avec les petits canards. Oh, la mariée. Elle a déjà un album de mariage à faire. Ça tombe bien. Celle-là aussi est magnifique. Magnifique. Elle a les petites demoiselles d'honneur. C'est mignon comme tout. Encore la petite fille avec le petit canard. La violoniste. La petite fille qui s'émerveille devant un petit bébé. Mais que c'est mignon tout ça. Au bord de l'eau, avec le petit toutou. Et celle-là. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Magnifiques ces images. Je les remets là-dedans, je suis très maladroite. Hop, je vais remettre celle-là aussi. Hop. Ici, ah, c'est des bras d'attache parisienne. Alors, vous avez ici un papillon, là une fleur, des feuilles.
des fleurs et un papillon encore, des d'autres papillons, puis des cœurs avec des fleurs. C'est joli comme tout. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et là-dedans, une ATC. Oh, joyeuse fête. Aussi belle que la carte, dans le même esprit. Alors, il y a marqué le thème joyeuse fête de mai. Une sur une. Voilà. Il n'y a pas la date, mais c'est pas grave. Il y a des petites fleurs, toujours dans le même esprit que la carte, hein? Exactement. Exactement le même esprit, les mêmes papiers, le même, la même. Tu t'es bien amusé à faire tes petits trucs là. Tout petit comme ça, les petits cœurs, la petite libellule, là. Encore des papiers découpés dessous l'étiquette. Beaucoup de superpositions. C'est très très joli, très très joli. Merci beaucoup Claudine. Alors, Claudine, mon cahier, il est là. Tu as le numéro 15. Est-ce que je peux le marquer sur l'enveloppe? Oui, je vais marquer le numéro 15. Voilà, petite mousse. Je me souviens plus de quel département, mais c'est pas grave. Je le plie en quatre. Je ne vais pas montrer, mais le voilà. Voilà. Je le plie en quatre et hop, dans la petite boîte. Voilà. Et je vais remettre tout ça là-dedans. Alors, ça, je vais le replier là-dedans pour pas l'abîmer parce que c'est vraiment trop beau. Ah, je fais une petite salade, hein. Je suis désolée, les emballages, je fais attention à tout. Hop. Parce que je suis un peu brusque dans tout ce que je fais, moi, c'est moi, c'est... Vas-y, je t'embrouille, hein. Hop. Alors, j'ai un deuxième. Et le deuxième, je ne sais pas de qui il est, mais j'ai voulu enlever l'adresse et du coup, j'ai tout arraché. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Et comme il n'y avait pas marqué dessus d'où ça venait, je ne sais pas de qui c'est. Alors, je vais tout sortir. Il n'y a plus rien dedans. Oh, mais fais ce qu'il te plaît. Je suppose que c'est la carte avec son petit mot. Voilà. Hop, alors, je vais regarder quand même d'où ça vient. De qui c'est? Gisèle. C'est Gisèle. Ah, mais je l'ai vue quand elle a fait ça. Ou si c'est pas elle. Je sais pas si elle a une chaîne, Gisèle. Bref. En mai, fais ce qu'il te plaît. Joli papier. Alors, hop.
Je le connais ce papier parce que j'ai une de mes clientes qui a acheté le même et qui l'autre jour elle a fait quelque chose avec. Donc voilà, parce qu'on a fait des choses. La jolie fleur en mai, fais ce qu'il te plaît. Une jolie découpe avec plein de petites perles collées. C'est des perles, hein, c'est pas de la peinture. Là aussi, du washi. Il n'en vaut pas plus pour le papier fait la déco. Hein. Je vais lire son petit mot, mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Merci Gisèle. C'est très gentil. Alors Gisèle, tu auras le numéro 16, je le marquerai après. Par contre, je ne vais pas pouvoir le marquer sur l'enveloppe. Je vais prendre un scotch. Un petit papier. Voilà, comme ça je ne me tromperai pas. Je le pose sur l'enveloppe. Je le scotche. Mais j'aurais dû en prendre deux. Hop. Ça, je ne me tromperai pas. Ça vient bien de toi. Je vais enlever ce morceau là qui va me coller partout. Voilà. Et avec sa carte, il y a un petit présentoir. Attends, il y avait déjà dans l'enveloppe, il y avait ça. Mais c'est peut-être pas la tienne que j'ai vue parce que c'est le petit cintre, il est rebrodé par-dessus. Est-ce que vous la voyez, la broderie? C'est rebrodé par-dessus le cintre, il y a un petit nœud, c'est un petit cintre en fer. Et là, il y a mis de la toile de jute et dessus de la dentelle. Ainsi qu'un petit macaron. Elle a brodé aussi et des petites fleurs et un petit zigoui, la petite feuille ici, un petit papillon en strass. Merci. Et alors regardez-moi cette carte, cette pochette. C'est une pochette, il y a plein de trucs dedans. Alors ça, j'ai acheté hier des Allons, du fil à broder pour faire les petits trucs comme ça. Je vais faire des fleurs avec différentes couleurs. Alors j'en ai acheté 3, 2 parce que j'avais déjà le blanc. J'ai racheté 2 roses différents et je vais m'amuser à ça. Et là j'ai un espèce de petit chapeau. C'est joli comme tout, qui est brodé aussi, tout au crochet. Et tout le bord de la carte est fait avec une dentelle au crochet. Regardez-moi ça. Les deux côtés. Les deux côtés. C'est beau comme tout. C'est beau comme tout. Alors, est-ce que vous la voyez en entier? Est-ce que vous la voyez bien? Je vais essayer de la cadrer. Mais je vais y arriver, hein? Voilà. C'est pas évident. Et c'est joli, hein? Très joli. Merci. Merci, merci, merci. Et à l'intérieur, alors. Il y a plein d'ATC. Joli mois de mai. Alors Gisèle, elle a fait. Ça, c'est sur la Libération, le 8 mai. Sur le thème du 8 mai. Voilà. Celle-ci, c'est le Festival de Cannes. C'est vrai que moi, je n'y ai pas pensé non plus. C'est vrai. Il y en a des fêtes au mois de mai. Hein. C'est super avec le tapis rouge. Fallait y penser. C'est super. Vous voyez, je vous fais découvrir le mois de mai avec mon thème. Là, c'est le mai 68, parce que je vous garantis qu'elle a dû le vivre comme moi. On est allé sur les barricades. Il est interdit d'interdire, exactement. Exactement. Tu dois avoir le même âge que moi, hein. On en a fait en mai 68 et des sottises. Je porte bonheur pour le 1er mai. C'est des bons souvenirs, de toute façon, mai 68. Je vous garantis que ce n'est pas des mauvais souvenirs pour moi. Hein. C'est que des bons souvenirs. Et je suppose pour beaucoup de gens.
Regardez celle-là, avec du ruban, ici, là, avec une petite fleur, le muguet, son petit nœud assorti. À côté. Bonne fête Gisèle. C'est la Saint-Gisèle? Oh, bah alors, bonne fête Gisèle. Ah oui, il faut que je regarde quelle date. Parce que moi, vous verrez plus tard. Je sais quelle date c'est. Je l'ai fait. J'ai fait une carte sur les saints du mois de mai. Bonne fête Gisèle. Eh ben, bonne fête, ma Gisèle. Joli mois de mai. Alors, elle en a fait 6. C'est la 2 sur 6. Et ça, c'est la fête des mamans. Bonne fête, maman. Avec le petit cœur, les petites fleurs, petites perles ici, le petit nœud. Et voilà. Eh bien, écoute, Gisèle, tu es en plein dans le thème, là. Superbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ça, c'est très, très joli. C'est très mignon. Et puis, tout est bien assorti dans les temps, dans les tons. Bon. Eh bien, je vais remettre tout ça là-dedans. Je vais te faire ton étiquette. Alors, hop, on revient là. 16 Gisèle. Et tu auras le numéro 16. Et je te mets dans la boîte. Voilà. On plie en quatre. Tous sont pliés pareil. Hop, dans la boîte. Après, on mettra dans un grand saladier hein, pour les mélanger. Pour le tirage. Mais on n'en est qu'à la moitié du mois de mai, puisque nous ne sommes que le 18. Donc, il y a encore de quoi faire. Merci beaucoup, les filles. Je vous remercie. C'est très gentil. Et pardon à Claudine d'avoir gardé son courrier hier. Mais hier, j'ai pas pu. Je suis arrivée beaucoup trop tard pour filmer, pour faire quoi que ce soit. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie toutes parce que jusqu'à présent, j'ai eu que des courriers sur le thème du mois de mai. Et ça me fait beaucoup plaisir parce que le mois de mai vous a beaucoup inspiré. Et on se rend compte qu'en définitive, au mois de mai, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Allez, gros bisous. À bientôt. Au revoir.